nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. I'm going to preach to you tonight from this subject, the greatest enemy of your faith. Je vais vous parler ce soir de ce, sur ce sujet, le plus grand ennemi de notre foi. I'm believing the Holy Ghost is going to inspire someone to release their faith. Moi, je crois que le Saint-Esprit va inspirer quelqu'un à lâcher leur foi. The moment that you go to release faith, there's going to be some opposition. Et au moment où vous allez libérer votre foi, il va y avoir de l'opposition aussi. The Holy Ghost is going to help us defeat that enemy tonight. Le Saint-Esprit va nous aider à défaire cet ennemi ce soir. I feel a spirit of deliverance in this service. Je ressens un esprit de délivrance dans cette réunion. It is not the will of God for you to be bound. Ce n'est pas la volonté de Dieu que vous soyez lié. It is not the will of God for you to be discouraged. Ce n'est pas la volonté de Dieu que vous soyez découragé. It's not the will of God for you to be depressed. Ce n'est pas la volonté de Dieu que vous soyez déprimé. It's not the will of God for you to be paralyzed by your fear. Ce n'est pas la volonté de Dieu que tu sois paralysé par vos peurs. But God is going to set you free before we leave this service. Dieu va te libérer avant qu'on quitte cette réunion. Will somebody believe that with me tonight? I'm going to ask for the Lord to pray over the remainder of this service. Je vais demander au Père Lord de prier sur cette réunion. Seigneur Jésus, nous te remercions, Père, de ce que tu as mis sur le cœur de ton serviteur. Seigneur, nous l'acceptons déjà, Seigneur, en cette début de réunion, Seigneur, en cette début de prédication. Seigneur, nous nous ouvrons le cœur vers toi, Seigneur. Que ta parole nous parle, Seigneur. Que ton esprit nous guide. Que ton esprit nous fortifie et nous projette vers l'avant, Seigneur. Seigneur, dans le nom de Jésus, parle-nous, Seigneur, que nos cœurs soient ouverts, que notre intelligence soit ouverte pour capter le message, Seigneur, que toi tu veux nous partager. Seigneur, dans le nom de Jésus, fais un œuvre merveilleux parmi ton peuple aujourd'hui. Nom de Jésus. Jesus, give him praise one more time. Alléluia. Alléluia. Merci. Vous pouvez vous asseoir. We have all been given the ability to believe. On a tous reçu la capacité de croire. The Bible says we have a measure of faith. La Bible dit nous avons une mesure de foi. We have the ability to express faith in something or somebody. Nous avons la possibilité d'exprimer la foi à quelqu'un, ou dans, en quelqu'un ou dans une situation. Just because someone believes something doesn't make it right. Simplement, le fait de croire à quelque chose ne fait pas de cette chose une vérité ou quelque chose de vrai. Faith is not a virtue. La foi n'est pas une vertu. Because there are some people that believe some crazy stuff. Parce qu'il y a des gens qui croient vraiment à des choses bizarres. Some people believe that there was a big explosion and everything that exists today just came out of that explosion. Il y a des gens qui croient qu'il y a eu à un moment donné une grande explosion et que tout ce que nous voyons autour de nous, c'est le résultat de cette grande explosion. That takes a lot of faith. Ça, ça demande de la foi. Just because somebody believes it doesn't make it right. Simplement, le fait d'y croire ne fait pas de cette chose une réalité, une vérité. There's a recording artist, a singer in North America. Il y a un chanteur en Amérique du Nord. He is on a personal crusade to convince everybody that the world is flat. Et lui, il se donne la tâche de convaincre tout le monde que la Terre est plate. I thought Christopher Columbus already figured that out for us. J'ai l'impression que Christophe Colomb il avait déjà réglé cette question. You can check this guy's social media. Vous pouvez voir dans les médias sociaux de ce chanteur. He says he has pictures. Il dit qu'il a des photos. Videos to prove it. Des vidéos qui en sont la preuve. Scientific evidence to prove it. Des preuves scientifiques. Just because somebody believes something doesn't make it right. Le fait de penser quelque chose ne fait pas de cette chose une vérité. Faith is not powerful because of the person that possesses it. La foi ne dérive pas sa puissance de la personne qui le croit. Faith is not powerful because of a certain type of personality. La foi n'a pas sa puissance à cause de la personnalité qu'il exprime. I think we have convinced ourselves that somehow faith operates on personality. J'ai l'impression qu'on a un petit peu convaincu chacun l'un l'autre que la foi dépend d'une personnalité. Faith is not powerful because of how loud we are. La foi n'est pas puissant à cause du volume de nos voix. Even though I like to get a little loud. Bien que j'aime bien m'exprimer à forte voix. Faith is powerful because of where we place our faith. La foi, la puissance de la foi est dérivée de la personne en qui nous mettons notre foi. Our faith is powerful because it is in Jesus Christ. Notre foi est puissante parce que nous plaçons Jésus Christ. Our faith is powerful because it's in the name that's above every name. Notre foi est puissante parce que on place dans le nom qui est au-dessus de tout nom. Every knee is going to bow before that name. Tout genou réfléchira. Every tongue is going to confess that he is.
Our faith is powerful because He has all power. Notre foi est puissante parce que lui, il a toute puissance. Our faith is powerful because it is founded on the Word of God. Notre foi est puissante parce qu'elle est fondée sur la parole de Dieu. Jesus said, if you obey my word, Jésus dit, si tu obéis à ma parole, it's like a man who built his house on a rock. C'est comme quelqu'un qui bâtit sa maison sur un roc. And the rain may fall. Et la pluie peut peut-être tomber. The wind may blow. Le vent va souffler. The flood may rise. Les inondations vont peut-être but that house is going to stand. Mais la maison va tenir. Because it's built upon the word of God. Parce qu'elle est construite sur la pile de la parole de Dieu. Our faith is in the never-changing word of God. Notre foi est placée dans la parole de Dieu qui ne change pas. Is there anybody thankful for His word tonight? Our faith is not in human philosophy. Notre foi n'est pas passée dans des pensées humaines. Our faith is not in our culture. C'est pas dans notre culture. Our faith is not in our ability. C'est pas dans notre capacité. Our faith is not in our intelligence. C'est pas dans notre intelligence. Our faith is not in our financial resources. On ne place pas notre foi dans nos ressources financières. But our faith is in Jesus Christ. Anybody believe that Jesus is in the house tonight? Do you believe that Jesus came to church tonight? Do you believe that Jesus has all power? If you believe that Jesus is here, and Jesus has all power, then Jesus can do anything. There's nothing impossible with Him. There's no sickness He can't heal. There's no sin He can't forgive. Notre foi est en Jésus. Our Christianity is unique. La chrétienté est quelque chose d'unique. See, most religions are just concerned with what you do. Beaucoup de religions se préoccupent de ce que l'on fait. You just check off the list and you're okay. On coche toutes les petites cases. But Christianity is not that way. La chrétienté, c'est pas comme ça. Jesus is not just concerned with what you do. Jésus ne se préoccupe pas uniquement de ce que tu fais. He's concerned with how you do it. Mais il se préoccupe de comment on fait ce qu'on fait. And why you do it. Et pourquoi on fait ce qu'on fait. Because we can do the right thing the wrong way. Parce qu'on peut faire les bonnes choses, mais de la mauvaise façon. Jesus said you can pray and fast, but if you don't do it right, it's of none effect. Il dit qu'on peut prier et jeûner, mais si on le fait si on ne fait pas de la bonne manière, ça n'a pas d'effet. He's concerned with how we express our faith. Il se préoccupe de comment nous exprimons notre foi. He's not interested in somebody expressing just a weak possibility. Il veut pas forcément qu'on exprime simplement qu'on évoque une possibilité éventuelle. He's looking for some faith that is an expression of certainty. Il veut que l'on exprime notre foi avec certitude. It's the kind of faith that the writer of Hebrews was talking about. C'est comme celui qui a écrit les Hébreux. In the book of Hebrews chapter 11, faith is the substance of things hoped for. En Hébreux chapitre 11, il dit la foi c'est la ferme assurance de ce qu'on espère. He's looking for the kind of faith that reaches into another dimension. Il veut la foi qui va chercher dans une autre dimension. That reaches into another world. Qui va chercher dans un autre monde. That gets a hold of some evidence of some things you can't see. Et qui va aller trouver quelque chose qui va servir de preuve bien qu'on les voit pas. The things that can be seen. Il dit, on ne regarde pas les choses qui peuvent être vues à l'œil nu. But we look at the things that cannot be seen. Mais on cherche nous des choses qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. Because the things that can be seen are just temporary. Parce que ce qu'on peut voir à l'œil nu, c'est temporaire de toute façon. But the things that cannot be seen are eternal. Mais les choses qu'on ne voit pas, ce sont des choses éternelles. I'm trying to challenge some young person tonight. J'essaie de vous attirer, vous les jeunes, ce soir. To pray some impossible prayers. De prier des prières impossibles. To pray for some things you can't see with your natural eyes. Into the impossible. To the impossible, man. What do you want to happen in your youth group?
supernatural. Pour aller chercher le surnaturel. The moment you begin to express your faith, le moment même où vous exprimez votre foi ainsi, there's going to be an enemy that's going to rise up. Il va y avoir un ennemi qui va se pointer. There's going to be some opposition. Il va y avoir de l'opposition. Your flesh doesn't like to surrender. La chair ne veut pas se rendre. Your flesh doesn't like to pray and worship. La chair ne veut pas louer, prier, adorer. You've felt that resistance before. Tu as déjà ressenti cette résistance. You start to try to press in the spirit. Tu commences à vouloir presser dans l'esprit. Maybe you're going to worship a way you've never worshipped before. Vous allez louer de façon à ce que vous n'avez jamais encore loué. But your flesh rises up. Mais la chair devient paresseuse. You get a little timid. On est un petit peu timide. You get a little scared. On a un petit peu peur. We feel that spiritual resistance. On ressent cette opposition spirituelle qui commence à se pointer. We feel it in our worship services. On le ressent dans nos cultes de louange. We get to that point where you feel like we're almost at a breakthrough. On a l'impression d'être presque à un point où tout va lâcher. Tout va start to feel that resistance. Et puis on commence à ressentir l'opposition. We pray for a few minutes in an altar. On prie à l'autel pendant quelques minutes. We're close to breaking through. On est proche de quelque chose qui va se déclencher. But that's when we start to get tired. Et c'est à ce moment-là qu'on devient fatigué. We start to get distracted. On est distrait. Our flesh fights against us. La chair va battre contre nous. We fight against principalities and powers. Nous opposons à des principautés et des puissances. The enemy begins to resist. Et l'ennemi commence à résister. But you have to resist against that resistance. Mais toi, tu dois résister contre cette résistance. You gotta press through that. Amen. Il faut appuyer, il faut aller plus loin. Because just on the other side of that resistance is the supernatural. Juste de l'autre côté de cette résistance-là se trouve le surnaturel. Just on the other side of that resistance is the miracle. Juste de l'autre côté de ça se trouve le miracle. When you feel the greatest resistance, quand on ressent le plus de résistance, that means you're just one more step away from the supernatural. C'est à ce moment-là qu'on est à un pas du surnaturel. You're just one step away from that deliverance. On est à un seul pas de la délivrance. You're one step away from that miracle. On est à un seul pas du miracle. Receive the baptism of the Holy Ghost speaking in other tongues. Si vous n'avez pas encore vécu l'infusion du Saint-Esprit avec le parler en langue, this afternoon would be a great time to receive the baptism of the Holy Ghost. Pourquoi pas le vivre cet après-midi? But if you didn't experience that, si vous allez le vivre, you're going to have to press past the resistance. Vous allez devoir presser, aller plus loin que la résistance qui va se pointer. If it's been a while since you've been renewed in the Holy Ghost, si ça fait un petit moment depuis que vous avez ressenti cette rafraîchissement, and you want to experience that this afternoon, et que vous voulez le revivre cet après-midi, you're going to have to press past the resistance. Tu vas devoir aller presser un petit peu plus loin. You're going to have to make up your mind. Tu vas devoir te décider. I'm not leaving this service until I receive my answer. Je ne quitte pas cette réunion avant de recevoir la réponse. I'm not leaving this service until I experience transformation. Je ne pars pas d'ici sans que je ne vive la transformation. We're about to talk about these enemies. On va parler de ces ennemis. But I wonder if you take a moment with me and pray right now. Mais est-ce que vous pouvez prendre quelques instants avec moi? We're going to pray against the resistance in the spirit. On va prier contre cette résistance dans l'esprit. Somebody needs deliverance tonight. Somebody came desperate for an answer. Isaiah chapter number 8. Esaïe chapitre 8. God said, don't think like
like the people around you. Dieu dit, ne pense pas comme ces gens qui se trouvent autour de vous. That's good advice. Ça, c'est une bonne avis. Don't think like everybody else. Ne pensez pas comme tout le monde. Anybody's mama ever told you? Est-ce que quelqu'un ici, ta maman t'a déjà dit? Just because everybody else is jumping off the cliff doesn't mean you gotta jump off the cliff. Si tout le monde devait sauter du pont, est-ce que tu les suivrais ou pas? Just because everybody else is doing it doesn't mean you need to do it. Si tout le monde fait quelque chose, ça ne veut pas dire que toi aussi tu dois le faire. Just because everybody else is watching it doesn't mean you need to watch it. Juste le fait que tout le monde regarde quelque chose, ça ne veut pas dire que toi aussi tu dois le regarder. Just because everybody else is listening to it doesn't mean you need to listen to it. Si tout le monde l'écoute, t'as pas besoin d'écouter toi. Just because everybody else is going there doesn't mean you need to go there. Si tout le monde y va, t'as pas besoin d'y aller toi. Just because everybody else is wearing it doesn't mean you have to wear it. Même si tout le monde le porte, ça veut pas dire que toi aussi tu dois le porter. Just because everybody else is living in sin doesn't mean you have to live in sin. Même si tout le monde autour de toi vit dans le péché, ça ne veut pas dire que toi tu dois faire autant. God said, don't think like everybody else. Dieu ne pense pas comme tout le monde autour de toi. He's calling the church to be separated. Il ramène l'église, il appelle l'église d'être séparée. The word church means set apart. Église, le mot église veut dire ceux qui sont mis à part. When God was bringing about the plagues on Egypt in the book of Exodus. Quand Dieu a amené les pestes à l'Égypte dans le livre d'Exode. The first three plagues affected the Egyptians and the Israelites. Les trois premiers affectaient non seulement les Égyptiens mais aussi les Israélites. But beginning with the fourth plague, God said, I'm going to set a division between my people and the Egyptians. Mais à partir du quatrième, il y a eu une distinction entre les Égyptiens et les Israélites. That word division also means redemption. Ce mot division veut dire aussi rédemption. Our difference, is not just for the sake of being different. Ce qui nous distingue, c'est pas simplement pour être différent. But our difference is for our redemption. Mais notre différence est pour notre rédemption. God sent us apart to redeem us. Pour nous racheter. When the death angel was flying over Egypt, quand l'ange de la mort volait au-dessus d'Égypte, the children of Israel were thankful for a difference. Les enfants d'Israël remerciaient Dieu pour une différence. There was blood on their doors. Il y avait du sang sur leurs portes. That said, there's something different. Qui disait que dans cette maison, il y a quelque chose de différent. When Jesus comes again, quand Jésus vient encore, he's looking for somebody who's different. Il cherche quelqu'un qui sera différent. Not somebody that blends into the culture. Pas quelqu'un qui ne se distingue pas du monde. But somebody who's set apart. Mais quelqu'un qui est mis à part. Jesus said, don't live like those around you. Jésus a dit, ne vis pas comme ceux qui t'entourent. I'm calling you to be different. Je t'appelle à être différent. Isaiah chapter 8 verse 4. N'appelle pas conjuration tout ce que ce peuple appelle conjuration. He said, don't fear what they fear. Ne crains pas ce qu'ils craignent. Just because somebody calls something holy doesn't make it holy. Juste le fait que quelqu'un appelle quelque chose une chose sainte ne veut pas dire que tu dois faire autant. Just because somebody says something is Christian doesn't make it Christian. Le fait que l'on dise de quelque chose, ah mais c'est un truc chrétien, ça ne veut pas forcément dire que c'est just un truc because chrétien. Just because they slap a fish on it doesn't make it Christian. Le fait de mettre un poisson dessus ne fait pas de cette chose chrétien. We are in a culture and a time where terms are being redefined. On est dans une culture, une époque où on redéfinit les termes. Sin is now a protected right. Le péché est maintenant un droit. And righteousness is now has become bigotry and hate speech. Et être juste et droit est devenu quelque chose de mauvais, de condamnable. It's not time to redefine what righteousness is. Ce n'est pas le moment de redéfinir ce qu'est la justice. It's time to recommit ourselves to what righteousness has already been defined as. Mais c'est l'heure est là de nous redédier à ce qui est appelé justice par la parole de Dieu. Don't call holy what they call holy. N'appelez pas saint ce que eux appellent saint. But God said to fear him instead of them. Mais Dieu a dit de le craindre lui au lieu de eux. I've come to speak against the spirit of intimidation. Je suis là pour parler contre l'esprit d'intimidation. A spirit of insecurity. L'esprit d'insécurité. That's more concerned with what others think than with what God thinks. Qui se concerne plus de ce que les autres peuvent dire plutôt que de craindre ce que Dieu peut dire de nous. That's more concerned with the opinion of man than the opinion of God. On est plus concerné par l'opinion de l'homme et non pas l'opinion de Dieu. The moment that you go to express your faith. Le moment où vous allez exprimer votre foi, this enemy of fear will rise up. L'ennemi de la crainte
crainte va se pointer. It will tell you that you're not good enough. Il va te dire tu n'es pas bon assez. That somehow you don't measure up. Que tu n'es pas à la hauteur. You've committed too many sins. T'as commis trop de péchés. You don't have the right ability or talent. T'as pas le bon talent. T'as pas les bons dons. You don't have the right family name. T'as pas le bon nom de famille. You don't have enough experience. T'as pas assez d'expérience. I come to rebuke that spirit tonight. Je suis là pour condamner l'esprit d'insécurité. You have value tonight because he created you in his image. Tu as de la valeur aujourd'hui parce que tu as été créé dans l'image de Dieu. If he called you, he has equipped you. S'il t'a appelé, il t'a aussi équipé. I rebuke the spirit of fear that would start to stop you. Je condamne l'esprit de crainte qui veut t'arrêter. Somebody claim that in Jesus' name. Est-ce que vous pouvez accepter cette promesse? There's a danger in us being conditioned by our environment. Il y a un danger dans le fait d'être conditionné par notre environnement. Because of the advancements of technology, we are so surrounded by the message of our culture. À cause des avancées technologiques, on est entouré des messages de notre culture. We're connected to it 24/7. On y est connecté 24/7. If we're not careful, we'll be conditioned by this environment. Et si on ne fait pas gaffe, on va être conditionné par cet environnement. The things we used to hate, we'll begin to tolerate. Les choses qu'avant on avait en horreur, on va les tolérer. The things we used to hate, then we'll begin to be entertained by. Les choses que avant on avait en horreur, mais on va y prendre plaisir. And when we allow ourselves to be entertained by those things that we used to hate, et quand nous nous permettons de prendre plaisir à ces choses qu'avant on prenait en horreur, we'll soon find ourselves involved in those same things that we used to hate. On va nous trouver impliqués dans ces choses-là qu'avant on n'aurait pas pensé. That's why the Apostle Paul said to the Romans. C'est pour ça que Paul a dit aux Romains. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. C'est pour ça que Paul a dit aux Romains, Romains 12, 1 à 2, il dit: je vous exhorte, frères, donc par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that you may prove what that good and acceptable and perfect will of God. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. You can't live for God in this generation. Tu peux vivre pour Dieu dans cette génération. We can't live like the apostles did in 2016. En 2016, il n'est pas possible de vivre comme les apôtres ont vécu. We can't maintain our distinctives as the church. On peut maintenir ce qui nous distingue en tant qu'église. We can't maintain our holiness even in this culture. On peut maintenir notre sainteté même dans cette culture qui nous entoure. God's calling us to be separate. Dieu nous appelle à être séparés. Our power is in our distinctives. Notre puissance vient de ce qui nous distingue. We are the people of the name of Jesus. Nous sommes le peuple du nom de Jésus. It does matter how you are baptized. Ça fait une différence dans ce qui est prononcé à nos baptêmes. Because there's power in the name of Jesus. Parce qu'il y a la puissance dans le nom de Jésus. God said, don't fear them, but fear him. Dieu a dit, ne les craignez pas, mais craignez-moi. That's how you find deliverance from fear. C'est comme ça qu'on trouve la délivrance de la crainte. Being more concerned with his opinion than somebody else's opinion. C'est plus nous préoccuper de l'opinion de Dieu plutôt que l'opinion des hommes. There's another manifestation of fear I want to talk about. Il y a une autre manifestation de la crainte que je veux dont je veux parler. Condemnation is a manifestation of fear. La condamnation, c'est une manifestation de la crainte. Condemnation has two sources. Il y a deux sources de condamnation. The first source of condemnation is just sin. La première source de condamnation, c'est simplement le péché. If you're living in sin, there's going to be condemnation. Si tu vis dans le péché, il va y avoir une condamnation. I've got a message for somebody tonight. J'ai un message pour quelqu'un ce soir. If you're living in sin, si tu vis dans le péché, stop, arrêtez. Amen. Stop, arrêtez. Amen. If you're sitting tired of condemnation, si vous avez marre d'être dans la condamnation, and you're living in sin, et que vous vivez dans le péché, get
Arrêtez. Repent. Repentez-vous. Turn around. Tournez-vous. Go a different direction. Partez dans une autre direction. You can break the bondage of condemnation. Tu peux briser le lien de la condamnation. Through repentance. À travers la repentance. Repentance is an amazing gift. Repentance, c'est un don merveilleux. We can come down into the altar. On peut venir à l'autel. We can say I'm sorry. On peut dire à Dieu, je suis désolé. We can bring all that shame and guilt. On peut amener toute cette honte, toute cette culpabilité. We get to just lay it down at the altar. On peut le déposer au pied de l'autel. Say I'm sorry. Et lui dire simplement, je suis désolé. And we walk away with peace. Puis on repart la paix dans nos cœurs. We walk away with joy. On repart la joie dans nos cœurs. We walk away with liberty. On repart la liberté. Just by saying God, I'm sorry. Simplement en disant Dieu, je suis désolé. There's another source of condemnation. Deuxième source de condamnation, it's a weapon of the enemy. C'est une arme de l'ennemi. 1 John chapter number 3, verse 21. 1 Jean 3, verset 21. Text that we read. Le texte que nous avons lu. Says, beloved, if our heart condemn us not, then have we confidence toward God. Bien-aimé, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons l'assurance devant Dieu. The enemy will try to use condemnation as a weapon against you. L'ennemi va essayer de se servir de la condamnation comme arme contre toi. You want to pray that prayer for the sick, but condemnation comes against you. Tu veux prier cette prière pour ceux qui sont malades, mais la condamnation t'empêche de le faire. You want to teach that Bible study, but condemnation comes against you. Tu veux enseigner cette étude biblique, mais la condamnation t'arrête de le faire. You want to sing that song or preach that message, but condemnation begins to fight against you. Tu veux chanter ce chant ou partager ce message, mais la condamnation t'arrête. Paralyzes you. Et t'es paralysé. You can't take that step of faith. Tu ne peux pas prendre le pas de la foi. I've come in the name of Jesus to speak against that spirit of condemnation. It's not the will of God for you to live in condemnation. C'est pas la volonté de Dieu que tu vives dans la condamnation. It's not the will of God for you to go to sleep at night dealing with guilt and shame. C'est pas la volonté de Dieu qu'à chaque nuit quand tu te couches, tu te bats avec la condamnation. If Jesus Christ has forgiven you, si Jésus t'a pardonné, you have to forgive yourself. Tu dois te pardonner aussi. When the enemy comes against you, with that weapon of condemnation. Tu dois saisir le sang de Jésus. His blood has not lost his power. Son sang n'a pas perdu de sa puissance. His blood still washes away every sin. Son sang nous lave toujours de tout péché. His blood still defeats the weapon of condemnation. Son sang renverse l'arme de la condamnation. Listen to what John continues to say. Écoute ce que Jean continue en disant. In verse number 22, verset 22. Whatsoever we ask, we receive of him, because we keep his commandments and do those things that are pleasing in his sight. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. When you have defeated the enemy of condemnation, quand tu as vaincu l'ennemi de la condamnation, then you have confidence. Alors là, vous aurez une confiance. Not confidence in our flesh. Pas confiance dans nous-mêmes, dans notre chair. Not confidence in who we are. Pas dans qui nous sommes. Not confidence in what we can do. Pas confiance dans ce que nous pouvons accomplir. But confidence in what he can do. Mais confiance dans ce que lui peut accomplir. That if we ask him anything, que si nous lui demandons quoi que ce soit, he can do it. Il peut l'accomplir. There's nothing too hard for him. Rien n'est trop dur pour lui. There's nothing too big for him. Rien n'est trop grand pour lui. There's no need too great. Il n'y a pas de besoin trop grand. There's no need too small. Il n'y a pas de besoin trop petit. He can do anything. Il peut l'accomplir. I want you to stand with me tonight. Levez-vous ce soir avec moi. Our position is to come.